Coucou, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'extérieur, j'avais envie de faire une toute petite capsule pour vous, pour avoir quelques petits messages pour cette semaine. Alors, si vous passez par là, vous avez sans doute un petit message pour vous. On va voir un petit peu ce qui nous attend cette semaine. Alors, j'ai trois oracles sous les yeux. Je vais demander à l'oracle de cristal un petit message pour cette semaine pour nous. Hop, le voici, le voilà. Je vais demander un autre petit message avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. C'est juste une petite capsule, juste pour vous, pour moi, pour nous. Ouh là là, on parle d'âme sœur. Non, j'ai une autre carte qui s'est mise debout. Je vais vous la prendre. Celle-ci, je vais la cacher. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je débute un nouveau cycle. Donc, j'ai le sentiment, je vais zoomer un peu. J'ai le sentiment qu'on nous dit que nous sommes, c'est la carte 1 tout de même, d'accord? Que nous sommes dans une période de commencement, que chaque jour est un commencement. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Saisissez la chance qui vous est donnée. Aujourd'hui, vous pouvez tout commencer ou tout recommencer. C'est le commencement d'une nouvelle vie qui s'offre à vous si vous le désirez. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Vous pouvez changer si vous le décidez. Qu'est-ce qui vous retient? Changez vos pensées, vos croyances et vous changerez votre vie. Vous êtes le créateur de votre monde. Aujourd'hui, c'est le jour idéal pour commencer un nouveau projet, rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles pensées, installer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles croyances. Aujourd'hui, décidez que cette journée et que cette semaine sera agréable et remplie de merveilleuses surprises, que vous rencontrerez de belles personnes et de bonnes opportunités. Le ou les mots-clés, commencement, début, nouveauté, renouveau, naissance, renaissance, occasion, rencontre et ouverture. L'affirmation positive. Que vais-je faire de merveilleux aujourd'hui ou cette semaine? Je recommence à zéro aujourd'hui et cette semaine. Cette semaine est le commencement de ma nouvelle vie. Quelle joie de commencer de nouvelles choses. Chaque jour débute dans la joie. Ce jour est le plus beau jour de ma vie. Chaque jour est une ouverture sur le monde. Tout est possible. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Ça, c'est pas une belle carte. Donc, il peut y avoir une rencontre avec une sœur, une âme sœur. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, ce cas de figure. On pourrait peut-être effectivement nous parler ici, on recommence quelque chose avec sa moitié, mais on change les choses. Je vais demander, on fait autrement, hein? On recommence. Je vais demander une autre petite carte. Oui, on est dans la vérité, dans le vrai, dans le juste. Donc, il y a ici belle opportunité cette semaine de tout recommencer, de tout refaire autrement. Je vais demander un ou deux conseils au monde angélique. Petit bébou. Allez. Alors, on a une jolie carte ici. Angel Assistance, ma petite lumière. Nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Tes êtres de lumière sont à tes côtés. Fais appel à eux. Ils sont là pour toi, pour t'aider.
Je débute un nouveau cycle avec mon âme sœur. On parle de changement, de vérité. Et de plus, et nous avons une deuxième belle carte qui nous parle de protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Amen. Je t'embrasse et te souhaite une excellente semaine. Porte-toi bien. À très bientôt. Bye bye.